Vol première classe pour GTA, on se cale à Caillou Perico. Je roule en gros type bestia, je mets à la monde El Rubio. El Rubio, El Rubio, je t'ai vu depuis le Mirador. El Rubio, El Rubio, on va te foutre dehors. Hello chum, now it's your old friend indeed here. Now Carter music looks to be about 2 tempo shifts away from a serious wobbly. We need the big guns flown out here right away. My personal chakra stones. Can you make it happen? Oh, you're a diamond. Yes. Allez, let's now, go. Nouvelle mission, les gars. My mainland shaman lives in an intentional community up in a desert. He was supposed to bless the stones, but he's only gone and nicked them. Oh, I blame too much root and not enough stem. Anyway, all bits are off. Get them however you need to. Ok, bon, on y va. Rejoignez le parc de Mobilhome. Donc ça, c'est l'une des nouvelles missions pour Kane Music. Et vous aurez pareil pour l'autre groupe de DJ. On va avoir quelques missions de la même façon que ça a été fait pour Moodyman. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça donne ces missions et à quoi elle va nous servir. Si elle va nous permettre d'obtenir des réductions pour d'autres véhicules, si on va découvrir d'autres véhicules ou pas. C'est la première fois que je fais la mission, donc on va la découvrir en même temps. J'espère que la vidéo vous plaira. On est parti pour le gameplay, quoi, du coup. Donc je sais pas combien il y a de missions par contre, ne demandez pas là pour le moment. Je pense qu'il doit y en avoir une, deux, probablement, comme pour Moodyman. Donc quand j'aurai la deuxième, pareil, je vous la balancerai. Et vous me direz si ça vous intéresse ou pas, parce que pour les autres DJ, c'est pareil, il y aura aussi deux missions. D'ailleurs, regardez, en fait, je vais vous le montrer. Là, par exemple, on a pour Kane Music terminé toutes les requêtes de Kane Music transmises par Dave Langley. Donc ça, c'est pour le Kane Music. Ils en ont rajouté un aussi. On va y arriver. Pour Palm Tracks, terminer toutes les requêtes de Palm Tracks transmises par Tom Connor. Donc les missions pour Moodyman, c'était Tom Connor qui nous les fait. Alors bon, ça sera peut-être pas le même style du coup avec Dave Langley. Là, pour Kane Music, on va voir. Donc voilà, au moins vous le savez, je vous le montre, comme ça, ça vous tient informé en même temps. Donc voilà, il y a au moins entre 2 à 4 nouvelles petites missions qui vont spawn. Donc quand on vous appelle, faites en sorte de rien faire et allez les faire, quoi. Voilà, ça fait toujours une petite récompense platine. Bon, c'est pas ouf non plus, hein, c'est pas... Et ça permet de découvrir de nouvelles missions et puis peut-être de nouvelles choses aussi. On va le voir ensemble. On va aller dans le désert. Bon, ça fait bizarre d'aller dans le désert alors qu'il neige, mais bon. Allez, on se retrouve là-bas. Bon, j'espère que vous avez compris où on est. On est tout simplement dans le parc de chez Omega. Voilà. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est que ce bordel, les amis, on découvre encore quelque chose. Éliminer les voleurs pour récupérer toutes les pierres de chakra, donc vaut mieux pas que je les bute. Et vaut mieux pas que je détruise le véhicule. Ok. Allez. Donc on est chez Omega à nouveau. Alors déjà qu'on avait eu ça à Halloween. Ouhouhouhou. Qu'il est beau, qu'il est beau. Ah, ok. On n'est pas totalement chez lui, mais on est dans son... Dans son quartier, quoi. On va appeler ça comme ça, le quartier. C'est pas un largage aérien, ça, au moins, là. Oh, là. Oh, elle est venue me choper à coup de couteau, hein. Ok, il en reste 3. C'est qui, ça? Ah, je me disais, putain, il court vers moi comme ça, lui. Ah, l'enculé.
On va se barrer vite fait de là. Ok, vous avez récupéré une pierre à chakra. Aidez votre équipe à livrer le matériel à l'aéroport de Los Santos. Vous devez être sur place pour terminer la liaison. Oui, Jacques, oh, donc ça n'a rien à voir. Ok, on se casse. Vite fait de là. On est passé chez Omega encore. Alors je voulais voir si... Attendez. Voilà. Parce que je veux... On va quand même aller faire un tour. Déjà, ça y est. On pourrait mal finir. Livrer les pierres à Chakra à l'aéroport de Los Santos. C'est quoi ça? C'est l'antenne qui fait ce bruit? J'avais jamais calculé qu'elle faisait ce boucan. Ok. Je voulais juste vérifier, voir s'il y a quelque chose de nouveau ou pas. Hein, parce qu'on est quand même dans un coin qui est totalement lié au mystère. Donc, bon, s'il y a rien, de toute façon, je couperai au gameplay. Mais je veux juste vérifier qu'il y a rien, quoi, quand même. Parce que je veux pas partir comme ça. Là, on voit toujours les trucs ou pas? Ouais, on les voit toujours. Ok, donc là, il y a un hippie qui est en train de... Ouais. D'accord, hein, tu sais que t'as des morts autour de toi. Ça fait quand même deux fois en peu de temps que Rockstar nous ramène pas loin de chez Omega. Il y a quand même quelque chose qui se prépare, les gars. C'est obligé. Et puis là, on puce des pierres à chakra qui sont liées au yoga. On sait qu'on voit à certains endroits des dessins avec des aliens, des extraterrestres qui font un espèce de yoga, hein, vous savez, sur des silos. Donc... Enfin, c'est pas vraiment ça que ça explique du coup. Hein, ça... Mais bon, on a l'impression qu'ils font du yoga en tout cas. C'est assez space ce qui se passe, honnêtement. Allez, on va aller amener ça là-bas. On va voir du coup s'il y a une mission ou pas, parce que s'il y a qu'une mission, bah, j'aurai la récompense directe en platine. Et sinon, bah, c'est que ça veut dire qu'il y en aura une autre. Donc allez, on se retrouve à l'aéroport. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que maintenant, vous avez pas le track, c'est quelle musique qui peuvent aussi arriver dans la nouvelle boîte de nuit The Music Locker hein, du casino, vous savez. Donc c'est deux DJ, deux groupes de DJ, enfin un DJ et un groupe de DJ qui ont été rajoutés depuis mardi, là. Je vais faire peur, mais... À moins que j'entende plus vraiment, on va avoir de gros soucis, car... If I don't get those stones, pretty lively, I could go under. C'est bon, j'arrive. Putain, qu'est-ce qu'il fait encore? I sense help is on the way. L'aide arrive, je le sens. Just in the nick of. You saved old Davy once again. And kind of music too, of course. Ok, bizarre, on l'a. On livre ici. Alors ça c'est chelou aussi, tiens. Et on va où là? What the fuck? Oh, pas de neige, ça fait bizarre. Ah, c'est ça en fait, on va les amener à la fête. Buenas. On est au bord de la plage. Vous avez récupéré les pierres à chakra. Putain, j'ai du mal. Pour quelle musique? Ouais, et alors? Du coup? Bon, là, il n'y a pas de musique, hein, c'est normal. L2 pour danser. Donc, je suppose que c'est les quelles musiques qui sont là? Ouais, ouais, bah c'est eux. Enfin, ça doit être eux, du coup. Je reconnais pas. J'ai pas vu. Ouais, c'est ça, quelle musique, ouais. Donc, ça, c'est les Allemands, ça. Bon, bah, vous voyez, en tout cas, j'ai pas eu la récompense platine, donc ça veut dire qu'il y a une autre mission pour eux. Donc, bah, dès que je l'ai, bah, je vous la mettrai en ligne, tout simplement, les potes. Donc, voilà, si ça vous a plu, gros pouce bleu du soutien, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez.
du fait qu'on ait fait cette mission avec ramasser des pierres de chakra en plus pas loin de chez Omega, chez les hippies. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, pourquoi pas la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ainsi que TikTok, tous les liens sont dans la description. Et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao.